Ok les gars, aujourd'hui toute nouvelle découverte. Oups, j'ai oublié de dire bonjour. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais découvrir avec vous le jeu Wild Arena Survivor qui est un tout nouveau Battle Royale de Ubisoft. C'est un Battle Royale où il y a 40 joueurs sur une carte un peu de type exotique. Il faut aller chercher des ressources pour pouvoir se rendre plus fort. Bref, c'est un mélange de survie et de Battle Royale. C'est assez atypique, c'est pas commun comme gameplay. Bref, on va voir tout ça ensemble. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ton petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et bien sûr, à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos découvertes, comme tous les dimanches matin à 9h30. Ok, donc les gars, on est parti pour découvrir ensemble ce petit jeu qui m'a l'air d'être assez sympatoche. En termes d'univers également, c'est un truc un peu survivant, un peu apocalyptique, parce qu'a priori, il y aurait des zombies. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah, ça commence bien, sélectionnez votre premier survivant. Ouais, mais là, pourquoi on voit pas? On voit pas, les gars. Il y a un petit bug, là. Ah! Assassin, soldat, assassin. Soldat, on va prendre assassin. On va... Ok, bon. Il y a eu un petit bug. Il n'y a pas de galère en soi. Ça peut arriver. Mais a priori, on pouvait choisir un soldat. Votre surnom. Psytrag YT. Psytrag avec un PSY T majuscule RAG Y majuscule T. Psytrag YT. Voilà. Ah, mais en fait, le jeu est totalement buggé en fait. Ok, donc les gars, du coup, on a dû faire un système D, car en fait, quand je branche mon téléphone, celui-ci me met un écran noir sur le jeu. Et comme vous pouvez le voir, moi, j'ai bien l'écran du jeu. Donc, je comprends pas pourquoi mon jeu passe en écran noir dès que je le branche. Je sais pas si c'est les développeurs qui ont fait ça pour pas qu'on fasse de vidéos. Bref, nous, on counter tout ça et on essaye de faire des vidéos jusqu'au bout. Allez, regardons ce que ça donne. Du coup, on va lancer en mode solo. Je suis désolé, on n'a pas pu voir la première image de présentation qui était un peu pour choisir son héros. Donc moi, du coup, j'ai choisi Assassin, donc c'est elle. Bon, après, en termes d'interface, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout. Magasin, survivant, changer de mode. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes. Il y a un système de trophées, comme on peut voir en haut à gauche. Il y a un Discord, donc on va le rejoindre. Et puis voilà quoi. Ok, donc c'est parti, on a trouvé une game. Alors, faites glisser pour bouger, toucher pour invoquer votre monstre, toucher la carte pour ouvrir la carte, toucher... Ah, on peut invoquer un monstre, ok. Toucher pour échanger les armes, toucher pour interagir, ok, donc pour ouvrir les coffres, toucher pour sélectionner les modes, ok. Allez, voyons ce que ça donne. Donc, je sais pas si vous allez avoir du son correct ou pas dans les oreilles, car du coup, je rec uniquement mon téléphone là directement, donc c'est assez problématique. Ok, donc là du coup je peux choisir de sauter à n'importe quel moment a priori. Vas-y, je vais sauter ici. Ok. Ok. Ok, donc il n'y a que le joystick et il n'y a pas la vue. Pas de soucis. Ok, donc j'ai tué une biche, ça m'a fait des ressources. Là, par exemple, il y a un coffre. J'ouvre le coffre. Donc là on peut voir qu'on est 40 effectivement. Ok, il y a des bruits de pas. Je trouve un gun. On ouvre des caisses. Là, j'ai quoi? Oh. Attends, on va aller vers les bruits de pas. C'est un peu cheat les bruits de pas, je trouve. Parce que du coup, regardez, au final, il est vraiment pas à côté, le gars. Il y en a deux. Oula. Je sais pas combien de balles il me reste. Moi, je peux jouer sur la distance. Allez, vas-y, tombe. Ok, nickel. J'ai fait mon premier kill. C'est quoi ça? Ah, il y a des créatures sauvages et tout qui nous attaquent. C'est des Pokémon. Ok. Donc ça, c'est quoi, quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ça? Je peux rien faire avec ça, si? Ah si, je peux ramasser. Ok. Donc là, si je fais ça, c'est quoi? Oh! Ok.
Ok, il y a du move à faire, pourquoi pas. Donc en fait, tu casses des ressources. Enfin, tu casses pour gagner des ressources. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie survivant sur le jeu. Il y a des bruits de pas là, on va aller voir ce que ça donne. Ouf. Ouf. On va essayer d'esquiver. Vas-y, coup de katana. Voilà. Oh, il y en a un autre là-bas. Pourquoi je peux pas ramasser ces super armes là? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Allez 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 allez. Hop hop, je m'écarte. Oh. Ah, ça lui met des dégâts genre quand je lui cours dessus. Allez, let's go. Wouhou. Ah là, je peux ramasser des armes. Non, je peux toujours pas. Pourquoi je peux pas ramasser ces armes? Ok, donc là, je peux améliorer mon pistolet. Je peux aussi améliorer mon katana. J'ai un cocktail Molotov. Ok, pourquoi pas. Why not. Y a quoi d'autre? Donc ça c'est du soin, ça c'est un katana. Oh, y a une biche. Ah, kiki kiki kiki. Bon, allez, on part. Ok, faut esquiver les zones où le léopard il fait des... Il fait ses coups de griffure là. Ok, let's go. C'est bon, je l'ai eu. On a encore 21, faites voir la gueule de la map. Ouf. Ah ouais, elle est quand même balèze la map, hein. Oh, y'a quelqu'un. Oh, y'a quelqu'un là. Ouh là 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 là. Ah, kiki 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 kiki. Il est en train de partir. Essayer de le rejoindre. Ok, donc y'a la zone qui se referme. Wow, wow. Oh, si je teste le cocktail Molotov. Ah, part. Non, non. C'est pas ça que je voulais faire. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que je peux ramasser? Let's go, j'ai ramassé du stuff. Enfin, non, même pas. Je suis toujours avec mon pistolet. Ok, donc a priori, il n'y a pas de système de munitions. C'est, si tu as l'arme, bah l'arme, tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux. Pas de soucis. Encore des ressources. Qu'est-ce que je peux améliorer là? Je peux encore améliorer le katana. Ok, j'améliore le katana. Oh. Hop, 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 hop. Coup d'accélération. Oh, comment je lui fais perdre sa vie. Il y a la zone. Ok, nickel. Je m'en sors pas trop mal. Allez, vas-y, on va reprendre un peu de médoc là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut lui? Hop, 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 voilà, on n'en parle plus. Affaire réglée. Allez, on va passer l'eau du coup. On va voir ce que ça donne. On va voir si on peut traverser l'eau. Si le personnage il nage. Ok, donc déjà il est ralenti. Ok, donc il est ralenti. On peut counter comme ça, pas de soucis. Donc là, il y a du coffre. Là, il y a du coffre. Là, on va essayer d'ouvrir. Ok, let's go, des ressources. Oh, toi, t'es gigalo. Toi, t'es gigalo. Nickel. Il y en a un qui est là. Ouh, oh, il s'est fait attaquer par l'ours. Hop. Vas-y, on finit, on finit, on finit, on finit, on finit. Viens là. Parfait, ce. Let's go. Ok, je suis à 7 kills. Top 2. Hein. C'est quoi ça? Attends, me dis pas que. Ah si, je pouvais tuer la tortue. Ça donne des ressources. Hein. Ok. Allez, on va continuer. Vas-y, on va continuer. On va continuer. On va se barrer. On va aller prendre l'eau. Oh, il y a un crocodile. Yish! Ouais, ça va, le crocodile fait pas trop mal. Hop, je lui découpe. On va faire une petite sacoche Lacoste. Hop, 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 hop. Voilà, nickel. Qu'est-ce que je peux améliorer? Oh, je peux améliorer encore une fois l'arme. Pouh, 3. Ok. Allez, 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 allez. Il est où le dernier là? Ah, la map, elle a déjà bien rétréci. Hein. Au final, elle paraissait plus grande que ce que je le pensais.
Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a aussi un speedrun dès qu'au bout d'un moment le personnage peut. Ah mince! Non, non, non! Non, non, je dois me moucher! Non, ça c'est pas du jeu! Coup de katana extrême! Hop, hop! Coup de pistolet! Hop, hop! Deuxième coup de katana extrême! Voilà! Hop! Hop! Je te tire dessus! Pan, pan! Pan! Voilà! Victoire! Let's go! Wouhou! Plus 20 trophées du coup! 8 éliminations! Ok, pas de soucis! Sidetrack! Stylé! Ok! Stylé, stylé! Donc j'espère que là maintenant on aura accès au menu, on va pouvoir voir plus de amplement de choses sur le menu. Alors, donc là a priori, ok, donc il y a un pass d'évolution dans lequel on débloque des survivants, a priori. Donc là à 45 je vais débloquer Sadov, après je vais débloquer Lazarus. Ok, donc tout ça on va voir ça après, ça c'est la liste des héros, pourquoi pas. Magasin. Alors, magasin, qu'est-ce qu'il nous propose? Des coffres, des ressources et des world coins. Ok, donc rien d'autre, pas de skin, rien pour le moment. Il y a un Discord, on va le rejoindre, je vous le mettrai sûrement dans la description, ainsi que mon Discord. Et du coup, dans les modes qu'il y aura, il y a le mode solo, il y aura le mode trio et le mode libre. Alors, qu'est-ce que le mode libre? Je pense que ça va être le mode survivant, purement survivant. Donc, on va voir ce que ça pourra donner. Là, en tout cas, le mode est toujours bloqué pour moi. Donc, bon, pour l'instant, j'ai que le mode solo. Ok, donc pour l'instant, l'interface est vraiment relativement très, très, très simple. En termes de héros, est-ce qu'on peut faire une preview? Ok, donc ça, c'était le soldat, Buck. Que je pouvais choisir au début. Esprit frappeur, ok. Ikari, tacticien, ok. Angus le tank. Ils sont vraiment stylés les personnages. Sado. Attends, Sadon? Sado? Sadov, autant pour moi. Sadov, le trappeur, ok. Lazarus, Sanctus. Ok, donc il est un peu zombifié a priori. Crush, l'exécutrice, pas de soucis. Giallo, le brut ou la brute, ok. Et pour finir, Malice, l'empoisonneuse. Ok. Ok, ok. Je pense qu'on a fait le tour, honnêtement, les gars. Bon, les petits potes, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Désolé pour la qualité de ce jeu, c'est le jeu qui ne voulait pas que je l'enregistre a priori aujourd'hui. Je sais pas comment ça se fait, ça me l'a jamais fait sur des jeux. Peut-être que c'est les développeurs. Je sais pas, je vais me renseigner et la prochaine vidéo que je ferai dessus, j'espère que ça fonctionnera correctement. Bref les petits potes, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était PsyTrag. Bye bye.